Salut tout le monde, salut, 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 comment ça va? Est-ce que vous allez bien cette fin de semaine, le début de week-end qui va faire du bien? On va pouvoir se reposer, jouer, profiter. On va pouvoir se détendre, on va pouvoir bosser sur Satisfactory. Ça va pas être bon ça. Alors, on s'était quitté la dernière fois sur la finalisation de l'usine d'acier, alors la finalisation de la prod d'usine d'acier, parce que visuellement parlant elle n'est pas finie, et l'apport en fait de l'acier, de toutes les parts d'acier, donc les tubes et les poutres, sur l'usine d'assembleuse. Et donc ce soir avec un accent qui sort d'on ne sait où hein, d'ailleurs. Ce soir, en fait, ça va être la mise en place et la distribution des différentes parties, donc tubes et poutres, aux différentes prods. Et on va essayer de se fixer un petit objectif de rapporter en fait du calcaire en masse ici pour pouvoir alimenter et faire des poutres directement, des poutres en acier, enfin des poutres en béton armé exactement. Pour pouvoir être tout tranquille là-dessus et pouvoir avoir un assez bon rendement et avoir donc nos assembleuses qui tournent, alors pas non-stop pour l'instant, mais qui tournent et ensuite s'occuper de tout ce qui est le stockage en fait de cette partie-là. Et puis après on verra pour les commander maçonneuses. Ça, je vais jamais y arriver avec. Donc on va passer dedans. L'étage du dessous, voilà. On voit en fait que nous avons une problématique. C'est que ici, il va me falloir des bobines de fil et des tuyaux d'acier. Ça jusque-là, pas de souci. Sauf que les bobines de fil, ben, je vais devoir en fait les faire passer à un endroit spécifique pour pouvoir faire en sorte d'avoir la distribution des bobines dans un sens et des bobines dans l'autre. Le problème d'avoir des bobines dans un sens, des bobines dans l'autre, d'ailleurs, on va tout effacer, c'est qu'en fait, à un moment donné, il va falloir que ça se chevauche. Et ça, je sais pas trop encore comment je vais branler tout ça. Donc, pour l'instant, je vais tout péter de ce que j'ai fait déjà au préalable, c'est pas très très grave. En enlevant, en fait, ici, j'ai retenu la leçon des précédents problèmes que j'avais eu sur les assemblages précédents. On va pouvoir faire en sorte d'avoir une meilleure répartition tout en ayant un minimum de problématiques de gestion. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir des choses en quinconce. C'est-à-dire que là, je vais avoir quelque chose qui va être alimenté par là. Et de l'autre côté, je vais avoir quelque chose qui va être alimenté par là. Ce qui fait que les tuyaux d'acier vont venir ici. Les convoyeurs pour pouvoir alimenter en fer en bobine vont venir ici et jusque ici. En fait, ça va faire un grand tour en fait. Ça va faire une grosse ellipse parce que ici va avoir normalement ici il va y avoir un petit truc qui s'appelle des rotors qui vont sortir normalement. On va juste voir. Il faut pas que je me gourre en fait parce que je m'enflamme tout seul, mais c'est voilà, c'est ici en fait les tuyaux en acier, c'est ici qu'il faut qu'ils soient. Donc techniquement,
là. Donc là, j'ai des tuyaux en acier qui viennent de ce côté et des tuyaux en acier qui vont venir de ce côté. Ici, je vais avoir quoi en fait qui va venir? Ici, ça va être normalement les rotors et les stators. Donc techniquement parlant, les tuyaux en acier, en fait, ils vont juste avoir besoin de venir de ce côté et de ce côté là-bas. Donc je pense qu'en fait, là, ça va être l'inverse. On va garder le principe de bobine de cuivre qui va passer de ce côté-là. Les bobines ici d'acier, de fil, enfin de tuyaux d'acier qui vont venir ici et se balader ici. Et ensuite qui vont faire un grand tour là, tac, et qui vont venir en fait jusqu'ici. Parce que j'ai pas envie de les faire passer par-dessus les uns et les autres. C'est un truc que j'ai fait dans d'autres parties et ça faisait vraiment quelque chose de pas top en fait, de pas harmonieux. Je trouvais pas ça joli. Donc on va repartir, on va reconstruire en fait nos convoyeurs verticaux à l'envers cette fois-ci, pour pouvoir accueillir toute la petite famille. Hop, hop. Donc ça va être. Ah, puis en plus c'est pas tous des MK4. Ok, bah on va en profiter pour les upgrades. Voilà. Donc on va placer maintenant nos séparateurs de convoyeurs. Alors on va les placer comme ceci. Si je les place là, forcément c'est pas en face. Hop, alors hop. Comme ceci, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon comme ceci. Donc, hop, on va déplier tout. Alors là, sur le principe, c'est pas grave si c'est pas optimisé parce que c'est des pièces qui prennent beaucoup de temps à crafter, plus de temps que normal. Enfin, que pour des constructeurs ou autres, et donc ça va prendre beaucoup de temps à, comme ça prend beaucoup de temps à prod, ça prend aussi moins, ça prend moins de ressources à la seconde, donc il est moins nécessaire d'avoir quelque chose d'optimisé pour l'alimentation. Parce que typiquement, si vous avez un produit qui vous dit je prends 10 de ressources, on va dire, par seconde de cette matière. Et que votre tapis il en amène que on va dire allez 9, bah forcément au bout d'un moment vous allez être manquant là-dessus. Sauf que si votre produit en fait il en prend 2 par minute et qu'en fait votre tapis il en amène 10, bah là vous êtes tranquille. C'est ça qui va aussi jouer en fait dans le choix de l'optimisation ou pas en fait. Très 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 légèrement court. Là, ça distribue et ça va saturer. Ensuite, on va avoir dans la technique, on va avoir un convoyeur ici qui va nous amener des tuyaux d'acier. Je suis allé trop loin. Donc, techniquement, mes tuyaux d'acier. Je vais devoir organiser d'abord mon distributage. Ici, oula, un peu trop près. Hop. Mon distributage, il va être comme ça. Et on est parti. Alors. J'ai quand même fait vachement serré, hein. À passer au poil de cul hein, pour les optimisations. C'est vraiment limite limite. Donc celui-là, à chaque fois je le rajoute, mais j'en ai pas besoin. Donc on est parti pour l'assemblage. Hop là, calme-toi, Jacques, calme-toi.
Voilà. Là. 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 Et celui-là. Et donc ensuite, on va avoir besoin d'un tapis qui vient ici. Donc si on veut dire que toi, t'es trop grand. Et donc... on va avoir juste un ici et un ici. Enfin, qui est très très légèrement décalé. Mais bon, à la limite, c'est pas grave. On va saturer aussi. Et techniquement, quand on va saturer, ça va commencer à prod tout doucement. Comme on le voit là-bas. Voilà, ça arrive petit à petit et ça prod tout doucement. Donc ce tapis, il va alimenter là. Je vais avoir un autre tapis. Il va devoir passer en fait le long ici. Celui. Hop là, j'ai pas pris le bon convoyeur. Comme ceci. Hop. Et on va avoir ici, hop là, le convoyeur, on va le tirer jusqu'au max. Vraiment, voilà, je me disais que j'allais pas tarder à arriver à saturation. Hop, ici. Techniquement, s'il sort au-dessus de moi, on va y faire quelque chose de plus long, c'est pas grave. Mais en même temps, on va y faire quelque chose de plus joli. Hop. Et plus optimisé surtout. Alors faut que je vérifie, je vais commencer à manquer de tiges, de barres d'effet. Donc là pour l'instant on va mettre ça comme ça. Alors techniquement, il va manquer des choses ici. Fait tout noir, t'as. Hop là. Optimise aussi tout ça. Donc à faire, hein. On est là pour ça. En fait, c'est pas satisfactory, hein, qui aurait dû s'appeler le jeu, c'est optimisation. Ouais. Optimisateur 3000, le machin, il aurait dû s'appeler. Alors, on continue. Donc, nos petits convoyeurs ici, on va les mettre comme ça. On va avoir un peu plus de place, donc on va pouvoir être un peu plus libre. En termes d'optimisation à ce niveau-là. Hop, hop. Toujours très pratique les lignes. Je crois que dès le départ, ils avaient mis les lignes. Je ne connaissais pas forcément, comme d'habitude, le dernier que je mets en trop pour un. Je connaissais pas le jeu il y a plus de 3 ans. Donc je sais pas si au départ il y avait déjà les lignes, je pense. Je pense que c'est quelque chose de base qui ont lancé le fait d'avoir une grid pour placer les objets. Je pense que c'était nécessaire, surtout si la base, entre guillemets, du jeu était la satisfaction des choses bien faites, satisfactory justement. Je pense qu'ils ont dû tabler là-dessus directement, quoi. Hop, hop. Et donc là, on peut dire ça prod. Là, ça prod à tous les nouveaux, à tous les niveaux, pardon. On voit que là, hop là, ça avance petit à petit là-bas, c'est vert de partout. Hop là. Et donc là, ça prod, ça prod, ça prod. Ok. Hop. Donc là sur le principe, on a ça en fait qui va nous servir à rien, parce que techniquement, là, on va avoir en fait une descente ici, et au pire je viendrai les chercher directement.
Hop là, donc qui dit descente ici? Dit alimentation par là. Donc, comment on va procéder à l'alimentation? Parce que là, ça va être problématique. Parce que à ce niveau-là, il va me falloir en fait un séparateur. Juste ici, pile poil ici, j'ai envie de dire même. Hop. Après, est-ce que je vais pouvoir mettre des des répartiteurs là? Là, si je peux enquiller des répartiteurs, je suis bon. Ouais, et ben, je suis très verni. Hein. Parce que là, je vais pouvoir enquiller des répartiteurs ici. En fait, tous les deux. Hein. On va supprimer cela. Tac. Donc là. Là, on n'est pas bon. J'ai pas le compas dans l'œil ce soir. Hein. Là, on est bon. Hop là. Et confiance à la grille. Hop, et normalement, il en reste un ici. Ok. Donc. Hop là, Jumbo, il monte ici. Dans le doute aussi, tu peux tous les passer en K4. Caler vraiment poil de cul ce que j'avais envie. Hop là. Ah, donc là on voit que une fois que ça a arrêté de saturer, ça va vachement moins vite. Sachant que ça prod quand même allègrement vite. Hein. Ça on voit quand même. Je pense qu'au bout d'un moment ça va commencer à aller un peu moins vite, mais là ça on voit quand même pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Et donc là, il va falloir que j'aille alimenter celui-là. Cette ligne-là. Mais cette ligne-là, si je la prends comme ceci, il va falloir que de l'autre côté, je la prenne dans l'autre sens. Ouais. Et donc dans l'autre sens, il va me falloir en fait. Des moteurs, là, comme vous voyez, là on en est plus qu'à un là, et ça n'a pas fini de saturer. Ça prouve à quel point il en faut. Hein. Là, j'ai saturé à même pas la moitié. Ah, rien n'a été saturé en fait. On a que 21 stators qui sont partis pour chaque à peu près 20-21 stators. C'est vraiment pas grand chose, on va dire. Ça pourrait être mieux, mais bon, c'est là comme ça, je pourrais pas faire grand chose, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je vais m'occuper d'amener sur l'autre ligne, enfin, sur cette ligne, pardon, en même temps que ça sature, hein, de toute façon, pas de. Après, ça sature pas forcément vite parce que je viens de lancer à peine la prod de l'autre. Hein. Bon, faut pas oublier ça aussi. C'est que là, les autres prods en fait sont saturés depuis des mois. Ne bouge plus. Donc là, ça va aller aussi un peu plus vite en termes de saturation. Mais là, il va falloir faire correctement les choses. Alors, on va enlever les premiers à chaque fois. Ici. Pour les tourner de ce côté. Celui-ci. Tac. Hop là. On va faire des MK4. Convoyeur. Hop là. Et donc, là, on va les faire descendre de ce côté. Et hop là. C'est-à-dire que juste ici, on va avoir
On peut mettre un peu d'espace là, on va pouvoir se permettre. Hop, pas se bourrer dans le sens. Et donc là, voilà, on va être pas mal. Non, on n'y est pas. Voilà, là on y est. Mais comme d'habitude, le dernier, je le mets en trop. Ça, c'est mon toc du soir, ça. Allez, on en met un, ça sert à rien, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. On met ça qu'autre chose, hein. On toque, il y a pire. Ça rame sévère ce soir. Je pense que je dois avoir des mises à jour qui se mettent. Ça rame sévère, même sur mon... Enfin, en live, là, directement sur le jeu. C'est pas jouasse, hein. Après, dans cette zone, faut dire qu'il y a énormément de choses aussi. Ah, bah oui, forcément, c'est pas le bon que j'ai mis. C'est celui-là le bon. Donc là, faut que ça sature les deux lignes. Là, il faut que les deux lignes soient saturées. Mais ça arrive en bus, en fait. Alors, ensuite, on va pas s'embêter, on va passer par là. Normalement, on a ici en fait. On va passer hop là, comme ceci. Ah oui, tout est en MK3 en fait. À la limite, c'est pas forcément très grave que ce soit en MK3, mais on va aller passer en MK4 après. Je verrai tout ça. De toute façon, je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de passer en MK4. Là, je ne suis pas embêté. Hein. Là, ça arrive, ça distribue, ça distribue, ça distribue. Ok. Donc là, en fait, je vais avoir les stators qui sont faits. On va passer au moteur directement. Hop. On avance à fond. J'ai un trou là. Ah ouais. Bizarre. Hop là. Allez, on bouge ça. Et donc lui va venir ici. Alors j'essaye de le coller au max. Parce que après en fait je vais avoir les poutres en fait qui vont passer, les poutres en acier en fait qui vont passer et aller alimenter en fait les deux chaînes là-bas. Donc les deux chaînes en fait de cinq assembleuses, pardon. Donc je vais essayer de vraiment caler le tout extrêmement serré pour essayer de gagner le maximum d'espace. Donc est-ce que là comme ça passe? Ah, ça fait un peu dégueu là. Le problème c'est que si je le fais comme ça, c'est trop. Donc là j'ai pas le choix que de le faire comme ça. Allez, on va dire qu'on va le mettre comme ça. Voilà. Hop, après, on va enchaîner donc sur nos répartiteurs. Tous les deux convoyeurs verticaux. Qu'on affronte le tic. On n'a pas eu le tic. On n'a pas eu le tic. On n'a pas mis un inutilement. On a gagné 4 secondes, même pas. 3 secondes. C'est énorme. En satisfactory, je pense que c'est énorme. Mon royaume pour un autre PC qui ne lag pas en fait sur Satisfactory. Mon royaume.
Hop là. Donc là, ça sature. Ouf que... C'est cette ligne qui sature. Donc là... Ici... Bon, est-ce que je peux en mettre un comme ça? Ça serait mais tellement le top du top que je puisse en mettre un là. Est-ce que je peux le décaler d'un cran? Ah, ça serait tellement magique. Ah, je peux le faire. Je l'ai fait, je l'ai vu. Voilà. Là, ça passe. Là, ça passe aussi. Donc, si je fais... Non, ça passe pas. Ah non, les boules. Donc, ça veut dire que je vais être obligé de le mettre ici, de faire un truc tout moche et tout. Putain, j'y ai pas pensé à ça. Ouais, là, je vais être obligé, de toute façon, de faire un truc... Hop là, comme ceci, est vraiment serré à mort. Hop là. Voilà, à faire serrer vraiment au maximum. J'allais dire pourquoi je le fais pas de ce côté, mais non, parce qu'en fait ici, ouais, putain, j'étais perdu là dans ma connerie. En fait, je me suis dit, putain, mais j'ai fait le con, mais en fait non, pas du tout. J'ai pas fait le con du tout. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et j'ai un peu bugué là. Hop, on va avoir donc ensuite nos répartiteurs ici. Il est là. Il est où? La grille fait confiance à la grille. Voilà, hop là. Bah, fait confiance à la grille. La grille guidera. J'ai encore mon toc qui est revenu. Bon, on combat, mais... gagnera toujours. Salaud de toc. Oh. Pourquoi ce bug là? GG. Oula, en fait, je les ai mis vachement près. Je les ai mis ultra près. Oh merde. Qu'est-ce que je refasse? On va les mettre là. Allez, ça suffira. De toute façon, pas besoin de forcément d'économiser de l'espace là. Hop. Hop. Et le dernier. Allez, voilà, on combat le toc. Et pas assez bon. J'ai viré la plaque du bas, mais quel con. Oh là, quel abruti, sérieux. Là, on sent la fin de semaine, le week-end qui approche, le cerveau qui se relâche. Ça sent le pet de cerveau dans pas longtemps, là. L'erreur critique. Ouh, je vais délaître un truc dans le jeu. Encore une va marquer, je vais pas comprendre pourquoi. Et lui qui est mal calé. Décidément, ce soir, ça ne veut pas. Normalement, là, ça devrait être bon. Là. Même pas. C'est quoi ce délire? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Allez, hop là. Et confiance à la grille. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, sur le principe, là, ça sature aussi. Ouais, mine de rien, ça envoie du sec. Et puis, c'est déjà en train de prod, en fait. Hein. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que là, on ne voit pas. Mais vu que là, maintenant, tout est alimenté, c'est déjà en train de prod. Donc là, on a deux barres d'assembleuses, donc de 10 assembleuses en tout, qui sont déjà en train de prod des moteurs. Vous voyez, donc ça c'est pas rien, c'est un gros avantage qu'on a, c'est en train déjà de saturer, donc c'est très bon. On va avoir là techniquement je pourrais remettre un truc ici, voilà,
finaliser un peu tout ça. Mais on a donc nos stators qui partent à vitesse relativement correcte, je dirais. On a ici, sur les stators, 54, 56, 57, 58. Ah, ça monte petit à petit. Hein. Les stators, ça bouge pas. Les rotors, ça augmente petit à petit. On est bon. On est très bon. Là, on est très, 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 très bon. Est-ce qu'on ferait pas maintenant, tout de suite, là, toute la partie poutre d'acier par là-bas? Et puis qu'in fine, en fait, on ira chercher du calcaire et puis qu'on voit en fait comment on fait pour meuter du calcaire ici. Moi, je pense que c'est le meilleur plan, ça. Je pense que c'est le meilleur plan et je pense que c'est de qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, je pense que c'est de qu'est-ce qu'on va faire tout de suite. C'est le premier, le tourner, hop là, tout de suite là. Est-ce qu'on met... Ah, j'ai pas assez de poutre. On va pas aller chercher plus loin. On va aller faire le plein en tout ce qu'il nous faut. Parce que mine de rien, ça consomme. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. On va prendre le train ou pas? Non, on va pas prendre le train. Allez, hop là, on va booster un petit peu. On reprend sur nos bunny. Le petit bunny jump là qui fait avancer. Hop là. Alors j'espère que les saccades vont se calmer. Ça serait tellement bien. Mais ça, ouais, ça a pas l'air d'être parti pour, hein, pour l'instant. Bon, après ce passage est toujours très compliqué pour le jeu. Mais j'ai pas l'impression que les saccades soient parties pour durer, je pense. Je suis vraiment désolé. J'essaierai d'autres jeux aussi d'ici quelques temps là. J'essaierai City Skyline qui j'ai vu quelques streamers se mettre dessus, ça me redonne envie d'y jouer. Donc je me dis que ça peut être pas mal aussi, un petit City Skyline de temps en temps pour se détendre. Une petite ville sympathique. Hop, je mets juste mon setup que j'avais oublié niveau lumière. Alors vous voyez rien pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant d'avoir une webcam pour pouvoir streamer ou autre. Je pense que tant que j'ai pas un autre PC, on va éviter ça. On est retourné à Spaghetti Land, à l'usine Panzani. Même là, ça saccade. Hein. Je pense que là, c'est le PC qui est un petit coup dans l'aile, là. Alors, on a quoi ici? Hop. Donc, quand même, pas mal, des poutres, hein, parce que... On en bouffe de cette saloperie. Hop, là. Ah, c'est quoi qui lui manque, là? Des poutres en acier? 8-4. J'en ai plein, tonton, tiens. Ouais. Fais-toi plaisir, j'en ai plein. Là, ça stocke et ça sature, ok. Ça me stresse à chaque fois que j'entends un truc qui s'arrête. J'ai l'impression que je vais pas avoir... J'aurai plus d'électricité, ça me stresse. D'ailleurs, faut que je regarde. Tu as vu que j'ai deux lignes d'assembleuse qui sont montées. Eh, mine de rien... Ah, on va être juste. Hein. Après, il va falloir retaper tout ce qui est façonneuse et tout. Il va falloir au moins doubler ce que j'ai. On va voir tout ça. Allez, on repart. On va finir ça. Et puis après, on va aller chercher du calcaire. Mine de rien, le calcaire, il n'y en a pas de des masses là où je suis. J'ai un peu peur qu'il n'y ait plus grand-chose, en fait. Que ça soit super loin, qu'il va falloir que je remette un autre train, etc. Là, j'ai un peu peur de ça, quoi. Donc, train, ça bouffe à mort, tu es à mort au niveau de ressources. Mais j'espère que ça va aller, quoi.
Là, j'ai des petits gisements de calcaire, mais c'est pas... pas des trucs exploitables, quoi. On va freeze pendant le tube. Voilà. Allez, on est reparti. On est où là, tout ça? Fer renforcé qui fait chier. Ah, j'ai oublié de prendre des tiges. Ah, bordel. On va avoir là des tiges. Juste ici. Et donc c'est lui. Voilà. Allez, hop là. J'ai un truc qui me plaît pas trop là. C'est qu'il y a un convoyeur. Ouais, 3. Ça distribue pas assez. C'est du MK4, ok. C'est l'élan. Voilà. Mais bon, c'est quoi ça? C'est des tubes qui arrivent? Ah, les tubes, ça a l'air d'aller là. Hop là. On va juste mettre entre en fait les MK4. En sortie, c'est pas forcément bénéfique que ça en fait. Voilà. Là, par contre, là ça débite. C'est en train de saturer. Oui, ça sature petit à petit, c'est bien. Ah, je suis contente. Ça, j'aime ça. Ah, j'aime quand ça sature. Ah, j'aime quand ça sature. Si ça sature, ça veut dire que ça surprod. Si ça surprod, et ben ça veut dire qu'on n'est pas en manque de quoi que ce soit. Par là-bas, c'est quoi qui manque? Manque des vis. Ouais, j'ai si peu de vis qui arrivent ici. Parce que ça sature d'un côté, mais ça arrive pas encore assez vite de l'autre. Ben forcément, il faut que ça sature d'un côté pour que ça arrive plus vite de l'autre. C'est une question de patience. Ça devrait pas tarder. Parce que là, lui, je pense qu'il va arriver. Hein. Il va arriver pas loin en maturité. Hein. Juste de voir en fait si ça arrive bien au max. Voilà, donc là ça sature, ça passe au suivant, etc. etc. Encore le top, mais pas loin quoi. Ah, presque, hein. Ouais, on y arrive petit à petit. Là, on touche le bon. Ça va être long par contre, mais on touche le bon bout là. Allez, on va s'occuper de nos poutrelles là, et puis après, on va aller faire la chasse au calcaire.
Pourquoi à chaque fois je prends un accent du sud qui en dit 4 guerres? 4 guerres? Je sais pas. Parler en psy. Faudrait déjà que j'en ai un. Bref. Allons-y, on va tirer. Donc. Nos lignes directement. Donc je pensais faire quelque chose, c'est que nos lignes, on va les faire arriver au milieu. Je trouve qu'on sent. Je viens d'entendre en fait une perte d'électricité. Oh non. Oh non. Ah non. Pourquoi ça a fluctué là? C'est quoi cette histoire? Ah non! Allez, redémarre! S'il te plaît! Bien sûr que tu peux redémarrer. Oh bordel! Oh bordel, non! Bon. Ah non, c'est la... Ah là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Là, vraiment, c'est le... Là, c'est le truc qui peut... Qui... Le pire qui pouvait arriver, en fait. Ah, je suis décontenancé, là. Je sais plus ce que je vais faire. On va partir, hein, donc, pour amener une ligne, en fait, ici. On avait dit, donc, une ligne ici. Et l'autre ligne, on va l'amener sur la deuxième. Ah non, il va falloir qu'on s'occupe d'électricité ce soir. Je voulais pas faire ça. Je savais qu'à un moment donné, ça allait pas passer, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus tard que ça, quoi. Il va falloir que je voie beaucoup plus grand pour l'électricité. C'est une horreur. Oh là là. Ah, je suis vraiment désolé, là, si on va devoir faire ça ce soir. Ça va être chiant à mourir, on l'a déjà fait et tout. Ah non. Ah puis en plus le jeu qui se met à laguer encore plus quoi, c'est la totale ce soir, la totale quoi. Voilà. Hop, 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 hop. Et donc, on va commencer par les premiers. Alors, je sais, j'ai fait du MK4 pour pouvoir le virer derrière, pour pouvoir le remettre ensuite. Mais si je fais pas ça, c'est pas clair dans mon cerveau. Donc je préfère que ce soit bien clair, bien posé dans my head, plutôt que d'avoir des trucs mais complètement farfelus et puis que ça part en suicide. Alors, on va faire un truc comme ça. Là, il me faut ça. On devrait passer comme ça. Hop là. Allez. On fait confiance à la grille. Ah, ça me déprime d'avance, quoi. Il va falloir qu'on reparte en fait sur pas mal de choses qui sont pas agréables. Je déteste faire de l'électricité quoi, je sais. Que ça soit IRL ou game en plus, hein, c'est un truc. La dernière fois que j'ai fait électricité, c'était chez ma mère pour refaire sa cuisine. Je me suis pris une châtaigne, j'ai fait une reculée 2 mètres en arrière. J'avais oublié de couper le courant. Énorme connerie, mais voilà. J'en suis là dans l'électricité, hein, c'est que. Moi j'ai pas encore bien saisi le principe de on met le courant ou on met pas. En fait j'ai l'impression. Enfin. On doit être connecté à certains serveurs, c'est pas possible quoi, parce que j'ai l'impression que c'est les serveurs qui lag. Satisfactory, tout se passe en local, donc c'est assez étrange.
On va prendre les premiers. On mettra d'aller le moins loin possible avec ceux qui vont être intermédiaires. En plus, je revenais de la base Panzani. Je me disais, j'aime pas bien quand j'entends un truc s'arrêter. Et ben voilà, ça m'a porté la Shkoumoun. Et donc on sature tout. Là, c'est saturé aussi. Et puis ben, on va passer à la désagréable façon de occuper le temps dans Satisfactory, hein, gérer l'électricité. Je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté. Comment je vais pouvoir gérer tout ça? Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de te voir toujours. Gérer le truc quoi. Ah mais j'ai plus rien. Ah je peux plus. Ah faut que je reparte à pied et tout, c'est vrai. Oh là là. Peut-être le mieux ce serait que je prenne le rail et que je rentre avec le rail en fait. J'espère que je ne prenne pas le train en pleine face, normalement le train est arrêté. Mais ça, c'est le moindre mal que j'ai, c'est de prendre le rail. Je me demande si je vais pas faire, avant de faire l'électricité, un arrêt en fait, pour voir où j'en suis, des différents paliers et des différentes possibilités en fait de gestion d'électricité que j'ai. Je me s'explique que si j'ai suffisamment d'électricité et suffisamment d'avancée pour gérer, on va dire, tout sauf entre guillemets cette partie, juste à la déconnecter du réseau et de là ça fonctionne, c'est à dire j'ai à couper en fait l'accès à ce pylône et tout fonctionne. Le problème c'est qu'il va falloir quand même que ça prenne un jour, donc je vais avoir des problèmes d'électricité tôt ou tard. Est-ce que je prendrai pas du temps pour pallier à ce problème d'électricité tôt ou tard à double, à, on va dire à tripler voire quadrupler en fait le besoin, enfin la capacité pétrole que j'ai, ou alors de partir en fait sur une autre gestion d'énergie, une autre source d'énergie que je n'ai potentiellement pas encore mais dont je ne suis pas forcément très très loin. Et la chose que je me demande en fait depuis tout à l'heure, on va aller faire un tour à la base Spaghetti et voir en fait où on en est justement par rapport à ça et par rapport aux demandes et aux possibilités qu'on peut avoir au niveau de tout. Je suis très déçu quoi, très 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 déçu, ça arrive maintenant. Je pensais que j'allais pouvoir faire ça en off un soir ou un week-end tranquille, pour pas vous embêter avec ça. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait changer de jeu et tout, je sais pas si ça serait pertinent. De toute façon, c'est une chose qu'on doit apprendre à gérer dans Satisfactory. 1. La frustration, et 2. En fait, l'évolution de son parc de son parc en fait de production et de son électricité en fait qui le gère quoi. C'est quelque chose de nécessaire quoi. Alors on va passer par là. On y est bientôt. Mine de rien, le rail nous aura bien servi. Hop là, on y est.
Atterrissage tout en douceur. Donc, on avait dit qu'on allait regarder où on en était au niveau d'électricité. Alors là, on a un masque à gaz, ça va pas nous servir à grand chose, et on a ingénierie des pipelines niveau 2. Ça ne sert pas à grand chose non plus. Mais là-dedans, on avait quoi? Le wagon, réacteur dorsal, les générateurs à carburant. C'est les derniers trucs qu'on va débloquer. Donc, ça veut dire que là, raffinerie de pétrole, tout ça, etc., c'est pas quelque chose que j'aurais besoin tout de suite. Potentiellement, les pompes pipeline en fait peuvent ramener plus, à ce qui peut être pas mal. Et j'ai pas d'extracteur niveau 2. Je vais voir aussi où on est l'ascenseur spatial, histoire que je puisse débrancher une partie de cette prod. Là, toute cette prod en fait là. Une fois que la partie là-haut est terminée, j'en ai plus besoin, donc je pourrais la débrancher. Je pourrais débrancher tout ça. Voilà, tout péter et tout, après j'en aurais plus rien à faire, quoi. Parce que le but, c'est d'avoir ça qui se remplit. Ah, t'inquiète, je le vois, hop là. Ah, c'est d'avoir ça qui se remplit. On va faire ça. L'avantage en fait du réacteur dorsal, c'est qu'une fois qu'on a donné l'impulsion, il garde sa vitesse jusqu'à ce que on touche quelque chose. Donc là, il m'en manque un petit paxon. Hop, on va tout remplir. Il m'en manque 200. Ça devrait être trouvable, 200 et 4 stacks, ça devrait être jouable. J'en ai que 3. Ah bah tiens, 7 stacks quand il me manque. Il en manque 50 après. 47. Donc ça veut dire que j'en ai encore besoin ici. Donc ça, j'aurais pas le choix. Donc, comment je vais pouvoir goupiller tout ça? Il va falloir, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah, il me manque 47, quoi. La loose. Il va falloir que je m'occupe d'augmenter, en fait, drastiquement les prods. Mais il va falloir que je coupe de l'électricité quelque part à un moment donné. Donc je vais couper l'électricité ici. Commencer à alimenter là-bas. Une fois que j'aurai tout fait, à ce moment-là, en fait, je rebalancerai le tout. L'électricité, elle part là, là, là. Essayez de pas tomber. Bon, après, on a le réacteur dorsal, donc c'est pas trop un problème, mais bon. Comme quoi, hein, je l'avais dit qu'une fois qu'on aura ce réacteur, on sera mais tranquille de chez tranquille. Enlèvera un énorme poids en fait. En fait, c'est ce câble là qu'il faut que je coupe. Hop là. Là, normalement, je vais pouvoir alimenter tout ce que j'ai besoin. Voilà. C'est limite, et ça alimente. C'est ce que je veux. Donc là, il se passe quoi? Ah, tac, 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 tac. Là, c'est toujours à fond. Et là, c'est toujours à fond. Ok. Mais au bout du tuyau, est-ce que c'est à fond? À la limite, je peux essayer de doubler ça. Comment, je ne sais pas, mais je peux essayer de doubler ça. Ah oui, mais c'est deux tuyaux qui reviennent en main. On va essayer de truander la truandation.
va essayer de truander la truandation, c'est-à-dire qu'on va déjà attendre que ça arrête de ramer. Voilà. Que je sais que par là-bas, il y a encore du pétrole. Hein. Encore du pétrole. Là-bas, ça pompe non-stop, et là-bas, ça pompe non-stop. Hein. Donc, s'il faut, je peux en rajouter. Attends. T'es en train de me dire que là, en fait, elles sont pas reliées, celles-là? T'es en train de me dire que je suis tellement con? Non. J'ai relié aucune des raffineries de pétrole de ce côté. Et de l'autre côté, j'ai fait quoi alors? Mais en fait, c'est juste que je suis un gros débile. Il n'y a que ce côté qui tourne. Oh putain! Oh le con! Oh le demeuré! Oh, oh là là! Ah, je suis désolé. Là, toutes mes confuses. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire tellement que je suis con. Je ne sais pas quoi dire du tout. Est-ce que j'en ai là des tuyaux? Ah, j'ai pas de tuyaux. Merde. Bah, je vais prendre le convoyeur là-bas. Attends, je vais me faire du stock parce que j'ai bientôt plus d'électricité. De jus. Hop là. Tac. Hop là, on va avancer en même temps. Voilà, je vais me laisser porter, on va pas prendre de risques. Même si on est tranquille. Allez, on va prendre le risque ici. Ah, je suis désolé, quoi, putain. Ça, c'est vraiment l'erreur de d'inattention, de débutant, de naze. Autant n'ayons pas peur des mots. Erreur de naze, carrément. Ah, je suis deg. Là, je suis dégoûté au plus haut point. Un seul côté en fait qui travaille. Ah, ça carbure à fond. Et l'autre côté c'est au repos. Ah, c'est Nazland. Gros Nazland, exactement. Ouais, je devais plus avoir de tuyau, j'étais dit je vais faire ça et tout, je reviens, je vais en chercher. J'ai dû zapper en fait que je devais aller en chercher. On entend les diesels qui démarrent quoi. Pense que là ça va remonter en flèche l'électricité. Bon, même si à un moment donné il va falloir quand même que je m'en occupe pour pouvoir augmenter drastiquement en fait la prod. Hein. Voilà, on est à 1200, 2400 MW, donc en gros j'ai doublé ce que j'avais avant.
falloir que juste que je remette le tuyau là, mais c'est bon. Enfin, le câble, c'est bon. Ce que j'espère, c'est qu'il y a assez de carburant qui part en fait non-stop. Tout ce que j'espère. J'ai pas un coup de calgon là-dessus, quoi. Ah oh, non, ça monte tout seul. Ah, quand même, hein, ça descend, ça fluctue. Ah oui, ça fluctue même bien, là. Oh, ça remonte même bien. Ah oui, mais en fait, il y a les deux tuyaux, en fait, qui jouent. Ouais. Pas trop que je m'inquiète là-dessus, pour l'instant. Je... Donc, j'ai ça qui se perd. Alimentation, ligne électrique en deux, monsieur. Voilà. Je l'avais pas dit qu'il allait avoir un P de cerveau. Hein? Ah, je crois que je l'ai dit. Hein. Hop. On est où là? Mégawatts. Alors, elle est pas belle la vie là? Non mais attends un petit peu parce que tout va reprendre tout doucement. On va reprendre notre petit chemin. Voilà, 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 calme-toi, calme-toi, toi. Hop là. On va reprendre notre chemin de l'autre côté et puis on va aller chercher du calcaire hein, maintenant que t'es réparé, que les oublis ont été corrigés. On va aller chercher notre calcaire. On va essayer de se placer sur le plateau là-haut et de voir en fait où on en est au niveau calcaire. Parce que je sais qu'il y en a deux qui sont vers les gisements de fer que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, mais là je pense que ça va être coton. Je pense que ça va être très coton en fait d'avoir ça. Là-haut parce que d'ici ça va prendre des plombes alors que j'aille voir sur une map mais ouais ou alors j'aille voir sur une map bon, ça me fait chier d'aller voir sur une map mais déjà à retourner là-bas je suis carrément sur l'électricité ça me stresse maintenant ça me stresse à mort. Pas à fond mais ça vient petit à petit ça doit alimenter ça doit réalimenter en fait le charbon d'un côté et de l'autre en fait. Alors on va faire ça je vais quand même aller voir sur une map alors vous ne le verrez pas. Sur la map là, les gisements de charbon, les gisements de calcaire, pardon. Non, toi, tu te tais. Alors, et sélectionner tout. Voilà. On va avoir gisement calcaire. Voilà. On va faire ça, ça, ça. Ok. Donc, on va enlever ça. On va enlever ça. Donc, nous sommes que je repère tout ça. On n'est pas. Et là, alors, on est par là, ok. Allez, je viens de nous trouver sur la map, on est par là. Donc on exploite déjà un gisement de calcaire pur, ok. On a deux gisements de calcaire pur qui sont pas forcément très très loin. Ok, et après on a trois gisements de calcaire normal. Ils sont
juste à côté en fait. Je me demande si on va pas partir plutôt sur ça. Quelqu'un normal. Ah, qu'on va surexploiter quoi. Ok, je vois à peu près où c'est. Ça me paraît bizarre parce que je les ai jamais vus là. Mais bon, pourquoi pas, on va aller voir tout ça. On va aller visiter Paris. Est-ce que j'ai de quoi faire de la foreuse MK2? Non. On va faire de la foreuse MK2, il me faut. Donc il m'en faudrait 3, donc il me faut 6 têtes de forage. Rose portable, il m'en faut 6. Hop, c'est parti pour 6. Et 2 et 3. Et 6. Hop, c'est parti. Toujours se tenir prêt à l'affût des opportunités. Calcaire, calcaire. Normalement, c'est tout droit. C'est étrange parce que là, pas du tout ce que j'ai en fait sur la main de Satisfactory. Je sais pas quoi. Déverser, ok, je me dis merde, il manque un truc. Alors, dans la théorie, c'est par là-bas. En gros, je vous montre. Les bonzes me disent que c'est par là en fait. Il y en a un là et un là. J'y crois pas, mais alors pas du tout. Mais bon, on va aller voir, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. On va y aller tout doucement. J'espère que c'est pas des gisements dont il parle. Enfin, j'espère que c'est des gisements dont il parle surtout. Et pas des affleurements, des trucs qui pop un peu partout là. Mais... Alors, un peu plus bas, devrait être par là. Donc c'est un peu plus bas que ça. Contourner le nuage de poison. Et si ils sont là, ils sont là. Ici, ici, et ici. Et à ce niveau-là, s'ils sont là, je vais pas m'emmerder. Normalement, c'est des normaux. Normal, ok. Normal. Donc l'autre là-bas, c'est du normal aussi. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire que ici on a du calcaire. Bon. Est-ce que j'ai des. Non, j'en ai pas. D'ailleurs, on va faire. Tout de suite de la place. Ah, espace insuffisant. Qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je peux jeter? J'ai bien un truc à la con. Ouais, bah voilà. Un truc à la con par excellence. On va faire une foreuse MK2. On va la placer. On va dire qu'on va la placer par là. Pareil ici. On va placer une foreuse. Allez, hop là.
La foreuse MK2. Alors pour l'instant je les place un peu à la dégueulasse, mais c'est histoire de me faire et de la place et quelque chose dans la tête, de se dire ça prod ou on va aller chercher quelque chose. Allez, on va y arriver. Ouais, tranquille. Alors, comment on va goupiller tout ça? J'ai bien envie en fait de faire le béton ici et de l'amener en fait là-bas. J'ai pas envie de me prendre la tête de rien. On va faire ça, je pense. On va faire ça. Alors, la foreuse. K2. Ah, il manque des tuyaux. Bon. À la limite, c'est pas très grave. J'en prod et tout. Donc, ça, c'est pas très grave. Juste là à côté, donc ça devrait aller. Il va falloir que je tire tout ça là-bas. En réfléchir, je vais aller chercher ce qui me manque pour ça. Et en même temps, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Si je planifie pas, à la limite, c'est pas très grave si je planifie pas. Mais là, celui-là, assez plan. C'est un petit plan assez plat. Il y a quoi là? Quoi ça? On est catarium, ça. Ah, c'est assez plat, mais il y a déjà quelque chose. Parce que techniquement, il va pas me falloir grand espace. Hein. Catarium normal. Merde. Du calcaire normal. Je dirais calcaire normal en MK2. Moi, je dirais deux constructeurs, en tout 6 constructeurs. Vraiment le max que je pense que je pourrais mettre. Je pense que c'est vraiment le max. Aïe. Que je pourrais faire en fait. J'ai qu'à me regarder, je vais faire un calcul. Alors, je vais faire un calcul vite fait via Statisgraphtory. Alors, on va avoir les assembleurs, smelters, mineurs, limestone normal. Mais on va passer en MK2, donc et après on va faire des constructeurs pour du concrete. Tac, ça on va passer en MK4 hein, parce qu'on a des salauds là dessus hop, et tu m'analyses ça. Donc on va en avoir 45 120, ok, en trop. Alors on va dégager ça. Logistique splitter. Donc si je prends ça et que je rajoute donc un truc pour faire du concrete ici, que je passe tout en MK4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Alors là vous voyez pas ce que je fais, mais on va vous montrer ça. Tac tac tac, comment je vais pouvoir faire ça? Ça. Voilà. Donc ça, vous voyez ce que je fais. Hop. Donc là, si on met, on est toujours à 60. Ok, donc techniquement, il y en a 15 de trop, 15 de trop. Ça voudrait dire que je peux en mettre 3. Ça serait beau, ça. Je peux en mettre 3 concrets. Alors, hop. Ah. Donc ça veut dire que lui, il faudrait lui faire un petit overclock.
Ah, s'en va, machin. Ah, faudra un léger overclock. Car moi, il me faudra 3 overclocks. Et je peux le faire par 3. Plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal. On va repartir sur Satisfactory. Hop. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il m'en reste des... Donc, il faudrait que je trouve 3 lucioles dans le chemin. Ouais, déjà. Hop là. Alors non, je suis pas suicidaire, mais vu que là, ça descend tout seul, tout tranquille, ça se gère. Hop là. Olé. Voilà. Descend tout doucement. Donc 3 lucioles, ça devrait pas être la mort, sachant que j'en ai une là, et que l'autre là-bas, je crois que c'est une double. Donc je crois que c'est ce qu'il me faut à portée de main. J'allais planter tout ce que j'ai à planter. Je vais tout de suite aller chercher le bishop pour pas perdre de temps. Parce que sinon, ça va me gonfler. De refaire une chasse aux lucioles. Alors qu'on n'est pas dans une grotte, hein. Car décidément, il y a énormément de choses encore à faire, mais qui sont pas énormes. Hein, là, je dis, il y a énormément de choses à faire, mais les devs, ils sont pas énormes du tout. Et voilà. Et d'ailleurs, je sais jamais en fait, c'est quoi l'éditeur en fait du jeu. Je ne me rappelle jamais leur nom. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. C'est Coffee Stain. Coffee Stain Studio. Donc chez Coffee Stain Studio, ils sont vraiment pas beaucoup au niveau, bon, au niveau toute la boîte en fait. Hein. C'est vraiment pas énorme chez eux de dev et autres. Donc je pense que c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait des choses qu'ils ont fait, ils sont tous mis dessus, et puis après ils sont passés à autre chose et autres, ils font des gros pools là-dessus, donc il n'y a pas. En gros, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir sur le fait d'avoir des améliorations sous peu en fait, sur des choses qui sont déjà implémentées depuis des mois et des mois, voire des années en fait. Ça, c'est super joli, mais j'en suis sûr que c'est ultra toxique ces merdes. J'en ai vu une là-bas en fait d'électrolimace. On va aller la chercher. J'ai 98 en carburant. On devrait aller. Ça, là, on va attendre un petit peu. Je pense qu'en fait là, j'y vais tellement peu dans cette zone que ça charge au fur et à mesure. En fait, c'est là que tu vois que sans le réacteur, il est parti. Pas la peine de penser à y aller en fait. Et on voit qu'il y a rien que les mecs ont réfléchi à ça. Parce que c'est des éléments qui sont vraiment faits pour pile poil et tout quoi. Voilà, donc là j'ai une électrolimace jaune, une électrolimace verte. Donc je vais pouvoir faire 3 enfin supraconducteurs ou condensateurs, je sais pas trop comment ils appellent ça.
le pouvoir Overclock, les mineurs MK2. Hop, et on atterrit en douceur. Hop. Alors, je vais d'abord me faire un petit établi vite fait en 2-2. Sans l'établi, je vais pas pouvoir le faire. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Hop. On rêve l'établi. On range la chambre, monsieur, quand on a fini de jouer. Hop. 150%. C'est parfait. On passe donc de 120 à 180. Ce qui nous permet d'avoir largement plus de ce qu'il nous faut. Je vais d'ailleurs regarder sur Satisfactory, sur Graftory, là, si je les passe à donc état 150%. Ok. Donc si je le passe à 150%, analyse-moi ça. Overclock, ouais, 150%. Ouais, moi ça change pas grand chose en fait. Là, mineur MK1, MK2. Voilà, 180. Bah, c'est 100. D'accord, en fait, il faut que je les passe en MK2, que je les redescende en MK1. Passant. Je les passe en MK2, je les redescende en MK1. Alors. Ouais. Donc là, je pourrais pas en mettre 3 parce que 4 parce que j'arriverai exactement la même chose. Donc on va rester sur l'idée de 3 par 3. Donc là, lui, il est mis. Il me reste plus que un prenel là-bas à mettre. Hop là. Dans ma grande. Hop là. Donc comment on va goupiller tout ça? Donc j'avais dit que j'avais bien envie de tirer un truc jusque là-bas et puis d'avoir quelque chose de pas trop dégueulasse. De tout regrouper là-bas pour faire mes 6 constructeurs et tout. Donc. Bon, 6, 9. 9 constructeurs en tout. Là. Donc là, on va avoir ça. Là. Voilà. On tirait quelque chose comme ceci. Donc là, hop là, ça devrait être bon. Jusque là. Hop là. Ça, c'est bon. Et là, c'est bon. Et donc, on enlève ça. Et on enlève ça. Tac. Donc on va enlever les fondations, j'ai pas envie de les voir. On va rester là-dessus. Donc le petit caillou qui va nous emmerder. Voilà, comme ça. Et voilà. En Suisse. Tu sais, j'ai bien envie de tenir que là. Hop là. Là, tu vas mettre un poteau électrique en haut. Voilà. Alors ensuite, hop là, on va en faire un ici, on va faire un ici. Et
Et il faut se décider là. Il faut se décider un coup. Il faut se décider. Donc, on va se décider. Je vais trancher pour une plateforme juste au-dessus de ça. Alors. Constructeur. Va falloir que je les gaspille, je te le dis. Hein. Il m'en faut 3, 6, 9. Ok. 1, 2, 3. Ensuite. J'en ai combien? Je vais en avoir 8, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque 2, donc il me faut du câble. Donc s'il me manque 2, il me faut... Voilà, encore. 1, 2, 1 et 2. Donc, juste une sortie devant. Donc là, j'ai sorti, il me fallait. Donc là, il me manque deux, ces petites saloperies-là. On va les acheminer. Assez simplement. Je vais juste... Hop là, enlever ça. On verra pourquoi après. On va faire en sorte de les monter ici. On va servir de l'ombre en plus. Techniquement, on nous indique à peu près l'inclinaison et l'angle en fait par rapport à ce qu'on a besoin. Relativement pas mal là pour l'instant. Si je le mets là, arrive comme ça, c'est pas dégueulasse. Alors, on va le mettre comme ça. Ah oui, trop léger. Il y a vraiment 1 mm, je pense. Hein. Bon. Il n'y a pas envie, là. Peut-être trop près de l'autre aussi. Voilà. Et donc l'autre qui va se mettre comme ceci. Comme ça. Donc, 1, 2, 3. Hop là, on va recalculer un peu tout ça. Et ma première ébauche d'idée. Hop, donc le quatrième. Là, ça sera celui de là-bas. Il va venir ici. Ok, donc là. Décaler. Hop. Pas.
Hop, comme ça. Donc là, c'est les trois ici. Ensuite, les trois autres là. Pareil, ça va être comme ça. Ça va pas. Je suis désolé, je suis concentré, mais j'essaie de faire les choses vraiment top. Ça va pas être assez haut. Il va pas s'être assez haut, lui. Donc lui, toujours comme ça, mais. Alors, s'il est comme ça pas assez haut, là, il va être trop haut. À la limite, il vaut mieux trop que pas assez. Et, il est pas dans l'axe. Il est pas dans l'axe parce qu'il faut vraiment qu'il soit ici. À la limite, il vaut mieux qu'il soit plus bas pour le répartiteur. Ça et donc là il y en aura un autre que je dirais ici que je dirais merde. Ça comment on va goupiller ça comme ça, on va déjà mettre nos répartiteurs en branle. Hop, ici il manque des câbles forcément, donc on va partir sur là, ça, mettre ce qu'il me faut où il faut. On y pense, béton. Bon, béton. Béton. Hop là, on va balancer le béton de partout. Hop, on va aller chercher donc du câble. Si je prends celui du milieu du tapis, c'est pas parce que il va plus vite ou moins vite ou qu'il bouge ou machin. Même si les pierres, les minerais ne bougent pas en fait dessus, le tapis lui avance. Hein. Il avance non-stop. Donc il me donnera toujours la même vitesse à l'arrêt ou en course. Même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il n'y a pas de mouvement visuel sur le tapis, enfin, ça sera toujours le même. Hop là. Des câbles. Donc techniquement des câbles, je devrais en avoir par là. Ou pas. Je crois que non. Je crois que j'en ai pas. Ici, des tiges. Ici, c'est des vis. Et donc ici, des tiges et des vis et des plaques. Ok, donc j'en ai pas du tout. Donc, on va aller chercher tout ça. On va pas se faire avoir, on va y aller en train. Parce que c'est là où on va chercher le cuivre. Moi, je pourrais très bien prendre quelques bobines de cuivre et les faire, mais ça serait judicieux. Prions. Bon, allez, on va les faire.
On a tout ce qu'il faut là, on va salir un petit peu les mains. Hop, le petit frise de sauvegarde, comme d'habitude. Allez, salissons-nous les mains. On a dit du câble 709, ça devrait le faire maintenant. On va descendre relativement rapidement, ça nous permettrait de faire une petite pause. On en a à combien? 1h35 de live. On a quand même bien avancé. Parce que mine de rien, on a fait 2,5, 2 lignes et demie complètes. Réparer l'électricité. Et en même temps, trouver le calcaire. Et on est en train de le construire et potentiellement de l'acheminer. Ça c'est beau. Pour l'instant. Excusez-moi. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais l'acheminer. Je me pose encore la question. J'ai pas envie de repartir sur un train. Envie de repartir sur un train. Je pense que ça va être les pourvoyeurs. On n'a pas le choix. On va faire beaucoup de convoyeurs. Faire des convoyeurs, même si je crois pas beaucoup, mais de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. On essaiera de faire un truc un peu propre. Que je sais de mémoire qu'il y a. Alors, j'en suis sûr et certain qu'il y a des mods qui permettent les convoyeurs en fait d'accrocher les convoyeurs en dessous d'autres de structures. Et là, comme ça, pas convaincu. Puis après en lui-même tout est possible, je pourrais très bien les faire passer en dessous, ça se verrait pas, etc. etc. mais ça demanderait un travail titanesque. Voilà, on a fini. On a tout ce qu'il nous faut. Je pense que je vais opter en fait pour le stackable avec des pylônes de convoyeurs les uns sur les autres. Ou alors rajouter une ligne ici et faire arriver par là et rajouter une ligne ici en fait. Ce serait le mieux. Ajouter un truc là et faire passer comme ça. Voilà, c'est vite donc tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire autant. Tirer en fait quelque chose tout droit là. Ça grimpe quand même hein, mais avec des enchaînements de convoyeurs MK4 ça devrait passer hein. Ça devrait passer.
tirer un. Et encore, je pense qu'il est trop. Ouais. Allez, on va descendre. Hop là. Tout en contrôle, tout en douceur, tout en finesse. Alors, hop là. Petit constructeur en plus. Constructeur en plus. Hop. On n'oublie pas tout de suite de les passer en béton. Et en béton. 10 mètres tout de suite. Regardez. Hop là. On va tout faire tout de suite. Hop là. Ici, là, juste en dessous, il faut que j'arrive à choper le convoyeur. Ou alors, j'arrive à me mettre vraiment à la limite là, et je le fais aller par là-bas. Voilà, on va essayer comme ça. Je vais très bien foutre une plaque là, hein. Hop là. Voilà. Tac, hop là. Là, elle est en trop. Ça, ça dégage. Donc ça, ça dégage. Le petit bout, il dégage aussi. Hop. Et lui, hein, tout de suite là. Ok. Michel, tu dégages. Et tu viens tout de suite là. On va l'inverser. Fois MK2. Hop. Ici. Et ici. Voilà où on en est. Ça veut dire que j'ai récupéré un truc, un éclat qu'il faut que je remette à la foreuse. Hop là. Hop, mon éclat. 150%. C'est parti, on va y tirer de l'électricité de tes suites. Donc, toi, c'est parti. Ensuite, ici, il n'y a pas loin à aller chercher. Il manque du câble, quoi, encore, c'est pas possible d'être maudit comme ça, quoi. Là, ça arrive, il manque du câble. Il va me manquer le truc que j'ai pas fait en haut pour la première série. Il va me manquer leur répartiteur. Hop. Hop, donc là ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on a les 9 qui participent. Ok. Sauf qu'ensuite, on va avoir ça, j'en suis sûr et certain que ça ne va pas aller. 3 ici. Hop là, viens ici. 3. Et 3. Parce que je connais les constructeurs avec le béton. C'est aussi simple que ça, c'est que le béton ne sortira pas suffisamment vite pour aller sur un seul convoyeur. Il sortira suffisamment vite qu'il sera sur au moins 2 convoyeurs, voire 3. Sur le principe, il sort 15 pièces par minute. Ça veut dire qu'il en sort une toutes les 4 secondes environ. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que
toutes les secondes, il va y en avoir 3 qui va sortir d'ici. Donc 3 qui vont sortir de là, et donc après, bah, faut monter le truc tout en haut. On va déjà monter le truc le plus haut possible. Hop. Voilà. Ouais, donc c'est bien ça, il doit y avoir des serveurs qui lag. Parce que là, c'est pas possible. J'ai pas eu un seul pic de lag là sur le jeu. Il a mis des plombes et des plombs en fait à comprendre ce que j'ai voulu faire. On n'empiète pas sur le terrain du voisin. Pourquoi? C'est quoi le délire là? Attends. Qu'est-ce que tu me donnes? Pas assez. Oh le bâtard. Il ne sort pas assez. Genre là il sort assez. Alors on va faire autrement. Ah c'est Whistler, sérieux. Donc là je le mets au max. Hein. J'appuie. Donc là il est construit. Non, maintenant il se construit. Donc je pense qu'il y a un lag dans le jeu. En fait, c'est pas mon PC qui lag ce soir. Vous voyez bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Après c'est peut-être les serveurs d'Epic Games ou des trucs comme ça hein, aussi. Hein. Et oui, je suis sur l'Epic Store hein, pour. Satisfactory. Ça devrait aller comme ça. Bon. On va aller chercher les bobines qui nous manquent pour l'électricité. On piétine. Mais très souvent dans Satisfactory, vous verrez, vous piétinez énormément. Avant de faire un gros pas de géant en fait. Puis après on piétine, après on contemple aussi. Je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, contempler en fait ce que j'ai fait. C'est quelque chose que je trouve très agréable dans le jeu. Mais je sais que ouais, c'est. Bah, des fois c'est très très frustrant parce qu'on a vraiment l'impression de pas avancer, de faire des allers-retours pour rien, etc. Après, on pourrait prévoir tous les matériaux, etc. Mais on passerait, je pense, plus de temps à faire des calculs de fou furieux. Hop là, toi. Tu viens. Je pense qu'on passerait plus de temps à faire des calculs de fou furieux que, en fait, à vraiment jouer par plaisir, par pur plaisir, en fait, au jeu directement, quoi. Je regarde, tiens, mais si je me prends pas un train au passage. Mais non, c'est normal de piétiner, je pense, dans Satisfactory, ça fait partie du jeu. Hop là, on passe juste entre les deux, c'est magnifique. Je pense que ça fait partie du jeu, faut l'accepter. C'est frustrant, mais faut l'accepter de temps en temps. On voit les convoyeurs verticaux qui servent à rien, qui sont droits comme ça, comme des i. Pour l'instant, on ne sert à rien. Mais mes calculs sont pas trop trop dégueulasses, devraient être pas trop trop loin d'eux. Ouais, je pense que une plateforme devrait être bonne. Alors, on va dire une autre plateforme. Hop là. Une autre plateforme. Non, je vais pas tomber encore. Une autre plateforme. Là on est bon. Et donc là, on va faire du A, 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 et là. Je pense qu'il en faut encore deux. Facile. Alors.
Ah. Oh là là, qu'est-ce que c'est parfait ça. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime. Donc ça, celui-ci, okay. Techniquement, je pense que lui, ça va être coton. Oh là là. C'est pile poil ce qu'il faut. C'est beau. C'est beau. Un petit bijou d'ingénierie là que je fais. Impossible, mais un petit bijou quand même. Allez, dis-moi qui passe, dis-moi qui passe. C'est superbe. C'est sublimissime. C'est sublimissime. Ah, je suis content. Là, je suis content. On travaillera ça juste après. Donc là, maintenant, on va descendre parce qu'on va devoir s'occuper de l'électricité. Hop. Alors, électricité. On va en mettre un ici. Hop là, et on va en mettre de partout. Alors déjà, on va s'occuper d'en bas. J'ai rebondi quoi, carrément. Hop là. Troisième étage, fourniture de sport. On va prendre un peu de hauteur histoire d'y voir un peu plus clair. J'ai dit de la hauteur. On va repartir sur un bon vieux 2-2, c'est-à-dire un pylône, deux machines. Un pylône, deux machines alimentées. Donc ensuite, un pylône, deux machines alimentées. Un pylône, deux machines alimentées. Bah, le troisième, on va en mettre trois, hein. Pas être chiant là-dessus. Là, comme vous voyez, il y en a quand même pas beaucoup hein, qui montent. Hein. Ah, pas beaucoup qui montent. Là en tout on a un problème ici. Qui est à quoi le problème? Il y a no power. C'est quoi cette histoire? No power. On est donné de la power fiston là. Voilà. Donc là tout monte jusqu'à ces plateformes. Et donc là on a 30, on a 45. 60, 75, 90, 105, 120 et 135 qui montent. 135 en fait qui vont produire en fait directement tout ça. Alors je me note 2-3 trucs en même temps. Ça c'est bon.
Et donc maintenant, on va devoir acheminer tout ça en fait jusqu'à la dernière plateforme. Donc ça qui va pas être forcément très simple à faire, mais on va y arriver petit à petit. Hop là. Ah, c'est une zone tiens, que j'aurais bien exploité à celle-là. 3 calcaires, 3 fer pur. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Pas assez pour 2 étages. Hop là. Donc là, j'en suis à combien? 290. Ah, on va quand même les tirer. J'ai peur que j'ai pas assez en fait pour le tout. Mais non, on a bouffé de l'essence. Hein. Quasiment bouffé 100 bidons depuis tout à l'heure. On va faire une ligne, puis une deuxième, puis une autre. Hein. Été. Attire au max. J'espère avoir de quoi faire les trois au moins. C'est pas mal. Je serais très content de pouvoir faire les trois. Déjà amener les trois ici. Donc les trois vont être amenés ici. C'est bon. Alors normalement, les trois, je peux les amener jusque là-bas. Allez, la dernière, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Voilà, c'est sûr que j'arriverai pas à la base. À la base de d'acier. Pour les trois en tout cas. Mais mine de rien, je suis presque. Hein. Essayer d'amener au max. Hop. Et je peux pas plus que ça. Ah, je peux pas plus que ça. On va aller chercher en fait du béton. Ah, c'est frustrant, on y est presque. Ah, c'est dommage. On va finir le live là-dessus. Je vais en attendant aller chercher le béton qu'il me faudrait. On a avancé énormément ce soir, mais vraiment, vraiment énormément.
Je pense que je me rends pas encore compte à quel point on a avancé. Mais là, avec tout ce qu'on a fait là, donc tout ce qu'on voit ici, on a inventé deux lignes complètes. On arrive à la saturer maintenant, parce qu'il n'y a pas de sortie forcément. On arrive à la saturer, et en plus de ça, on en a une deuxième, on va dire à trois quarts, qui arrive. Donc ça, c'est vraiment énorme de chez énorme. C'est un pas de géant dans l'usine. Parce que là, après, bah, va falloir stocker à fond pour pouvoir après avoir les façonneuses qui vont prendre le relais. Donc, je pense que une fois qu'on va avoir tout fini, que tout va stocker, on va faire une pause alimentation. C'est-à-dire qu'on va partir peut-être loin, on va partir, je sais pas. Il va falloir que je trouve en fait une solution pour au moins tripler en fait la capacité en énergie en fait de nos usines. Ça, c'est un truc que je veux faire, que je veux arriver à 12 000 mégawatts. Bah, on va taper un chiffre arbitraire. Je veux aller à 15 000 mégawatts. Allez, on va être fou. De là, en fait, je serai ultra serein pour l'avenir et j'aurai pas de souci à me faire. Parce que là, actuellement, au max, on est à 4 500 mégawatts. Si je double, on est à 9 000. Si je fais 3 fois plus que 9 000, enfin 3 fois plus que 4 500, ça veut dire qu'il faut que j'arrive aux 18 000. Parce que là, actuellement, je suis à 4 500, mais je veux faire 3 fois plus que ce qu'on a maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille aux 18 000. Je disais 15 000, pour moi déjà c'est un chiffre fou. Il faut 18 000. Je me rends pas compte en fait. Ça percute pas dans mon esprit là encore les 18 000. On avait dit du béton. En attendant cette fin de live qu'on va terminer tout doucement. Le week-end, il n'est pas impossible que je fasse un live surprise, que ce soit sur Satisfactory ou peut-être Star Citizen, pardon, je vais y arriver. Je vais prendre tout ça là. Il n'est pas impossible qu'on y arrive au Star Citizen ou pourquoi pas City Skyline ou un autre jeu. Hein. J'ai pas mal d'autres jeux à tester, à faire de mon côté. Et je suis tellement sur Satisfactory en ce moment, c'est assez bon. C'est mon bébé. Hein. Là, j'ai un amour-haine pour ce jeu qui est énorme. Je vais adorer jouer non-stop pendant des mois et des mois, puis d'un seul coup, je vais plus y toucher pendant 3-4 mois, puis je vais y revenir pendant 6-8 mois. C'est vraiment selon les envies et les idées que j'ai, en fait, surtout. Les vidéos font beaucoup. Moi, pour moi, les vidéos que je peux regarder sur YouTube ou autre. Sur Twitch, certains streamers en fait me donnent beaucoup beaucoup envie d'essayer, de tester, etc. Donc après, ça dépend beaucoup de ça. Il va y avoir le nouvel update qui va arriver. Il y a plein plein de choses en fait qui vont être faisables sur Satisfactory. Donc je pense pas arrêter de si peu. Je vais essayer de varier les plaisirs par contre avec les jeux, histoire de varier aussi, d'amener plus de gens à Satisfactory. On va avoir une fac normalement courant février sur Star Citizen pour ceux qui ne connaissent pas encore, je me demande comment vous faites, mais pour ceux qui ne connaissent pas peu le jeu, je vais faire une fac avec des potes qui souhaitent tester le jeu, n'ont pas pu le faire pendant le free flight par exemple. Donc, free flight, pour faire très simple, c'est une à dire une journée, une semaine porte ouverte sur le jeu qui permet de tester en fait gratuitement le jeu avec quelques vaisseaux bien ficelés et tout ça, donc qui est assez intéressant pour amener beaucoup beaucoup de monde en fait sur le jeu à terme, sachant que c'est toujours une alpha Satisfactory Star Citizen pardon, donc c'est à prendre avec des pincettes. Le PC ramera à mort. Ne vous attendez pas à quelque chose de faramineux en termes de perf ou autre, mais on se fera plaisir. Voilà, on se fera plaisir.
Donc, on est revenu au point de départ. Allez, je vais finir celle-là. Hop. Bon, bah, sur l'angle. Et bon, sur l'inclinaison. Je vais le mettre jusqu'ici. Hop. Le deuxième aussi. Pas le troisième. Hop. Voilà, comme ça. Et on va s'arrêter là. Je pense pas continuer. Ah, zut. Je pense pas continuer en off le déploiement de cette bande de béton. Là, pour l'instant, ça me va très bien là comme c'est fait. On continuera en fait en live ou ce week-end ou courant de la semaine prochaine. On va ramener tout ça donc dernier assemblage. On fera après tout le stockage que je vais pas faire forcément énorme, mais je vais quand même taper un petit peu dans le stockage, une petite plateforme, quelque chose de très succinct. Je veux pas faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose de symétrique, de propre. Et puis après, on essaiera de tout fermer. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que tout est stocké, on va attendre que le stock se remplisse. On va essayer de tout fermer, de faire propre ici, etc., etc., de faire quelque chose de joli. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, on ne peut qu'essayer pour ça, pour pouvoir le voir le résultat. Donc sur ce, je vous dis donc, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui ne seront pas là pour un éventuel live pour ce week-end. Encore comme je le dis, ce n'est pas sûr. Ce n'est vraiment pas sûr du tout un live cette semaine, ce week-end. Mais je vais voir ça. Donc pour ceux que je ne reverrai pas et pour tout le monde, donc je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien. Profitez de tout le monde, ne bouffez pas trop de crêpes, hein, c'est bientôt la Chandeleur. Ne vous faites pas trop mal au ventre. Prenez soin de vous et amusez-vous. Salut!